Ah, par contre, on retrouve ici. Oh, non. C'est votre salope. Maman, il fait trop bien, moi. Sortisan sans air. Bon. Mets-moi ta grosse aération. Il n'y a pas des trucs là derrière. Non. Là, bizarrement, il percute tout de suite. Oh putain. Elle me fait peur, cette conne. L'oxygène baisse dangereusement. Quelque chose infecte l'air produit pour les cultures hors sol. Et quoi que ce soit, c'est en train d'envahir le pont de cette saleté. À ce rythme-là, on va bientôt manquer d'air. Mais si je comprends bien ces analyses biologiques, je pense pouvoir fabriquer un poison pour les sushis. Allez à l'infirmerie, il y aura tout ce qu'il faut. Il manquait plus que ça. En plus, t'avais dit que t'en ferais. Oui. Allez à l'infirmerie. Ouais. Et faites tout ce que vous voulez avec Kendra. Et par contre, Maka, si jamais on a un Fit Wendy, est-ce que tu pourras prévoir une chambre pour nous deux? Comment dire, nap. Ah voilà, tout de suite, hein, monsieur filmé. Hein. Coquin. Hein. Ah, il va mettre des caméras pour. Je m'étonne, il va quand même, c'est 932 partout, tu sais. Voilà, on l'aura, après on remplacera les voix grâce à Yemeti, ça fera des voix japonaises, tu sais. Alors, au pire, t'as raison. On te laissera la chambre, Maka. Au pire, on laissera Scotty avec toi pour que tu refasses l'union sur H1Z1. Ah oui, H1Z1, là, je suis d'accord. Voilà, on... Et si, on va te laisser la Switch. On va te laisser la Switch comme ça. Pardon. Petite insulte. Donc, au pire, voilà, il te refera l'oignon sur H1Z1. Ah. Ouais, non, mais t'as déjà essayé de prendre un jeu. Ouais. Ouais, ça donnait. Tu vois, je lui ai même envoyé des vidéos, quoi. C'est pas comme si le mec, voilà, il avait pas essayé, quoi. Une vidéo. Et... Bah, t'aurais pu que je regarde. Et nous, ma chérie, on prendra toute la salle principale, on pourra essayer tous les endroits de la salle. Oh là. Tellement glauque. Ah, allez, sois pas jalouse, ma chérie. Tiens, tu connais pas une fille? Une fille, pourquoi faire? Pour bon. Jouer au Monopoly. Non. Tiens, il y a Monopoly sur la tablette, si tu veux. Ah. Voilà, bon jouer au Monopoly, mais bien sûr, hein. Ah oh my god, tu me sors les dés. What the fuck, qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, c'est une tête. Ah, y'a une tête. Y'a une tête qui bouge. What the fuck, mettre mon gros dé là où je pense. Mais ils sortent d'où? Ils sortent d'où ces trucs? What the fuck. J'ai bien une réponse, mais non, je me perds. J'espère que ça sort pas de ton cul, ce truc là. Ah, le dé, il va sortir de ton cul. Et les pions, ils vont rentrer dans ton cul. Ah, mais c'est tellement moche. Ils sont attaqués par une tête avec des tentacules. Peut-être que pas trop cool, hein. Ah. Et c'est ignoble. Elle est où la tête? Elle est morte? Elle est où la tête? Elle est où la queue? Enfin, si je me fais attaquer par une bite, bon, ça va. Mais là, c'est une tête, quoi. Voilà. C'est voilà. GG pour jouer au Monopoly. Voilà. Voilà. On retrouve Maka dans toute sa splendeur. Si encore c'est. S'il se faisait attaquer par une bite, je suis sûr qu'il crèverait tout de suite parce qu'il se laisserait faire. Ah oui, ah, je meurs. Oh non. Voilà. Avec la musique de. Faudrait la. Pour Maka. De quoi? Viser. Ah putain. C'est pas compliqué. Je vais aller au niveau moins 2, j'espère. Allô? Ah putain. T'inquiète pas, Maka, tout va bien. Maka, ouais, après, tu prends le numéro de TTH? Hein? Viens, Scotty, on fera un Scrabble. Allez. Sexe. Allez, vas-y. Sexologie. Allez, Maka, il va te sortir beat en 7 lettres. Hé, Yemetis, tu veux qu'on se fasse un petit Scrabble sexy? Si je te trouve un mot compte triple, t'enlèves le bas. Ok, je dois retourner là-bas.
J'ai un point de force ou quelque chose comme ça. Ah, ah oui, bah je... En plus, je suis fort au poker, mine de rien. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein, d'ailleurs, de poker. Poker, j'aime bien beaucoup ce aussi, on fera un stream. Les échecs. Les échecs, j'adore les échecs. Allô. Attends, pourquoi genre retourner en arrière, c'est horrible. Retourner en arrière dans ce jeu, c'est comme si tu devais aller mourir quelque part. Non, non. Pour moi, c'est tellement ça. Choc laser, méga PK. C'est quoi choc laser? Ouais, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Choc laser? Ah, c'est des balles! Projecteur d'énergie dévastateur. Ah, c'est une arme! D'accord. Oui, oui, c'est le mien, oui. Il a dû faire une erreur. Ah, strip. Tout à fait, Yimetis. Non. Allez, on y retourne. Au revoir. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il demandait si je m'appelais Maman Rogier. Non. Ok. Oh, fuck. D'accord. Voilà. Voilà, voilà. Donne-moi le numéro à TTA, s'il te plaît, on a envie de rigoler. Vous êtes sérieux là? Ouais. Mais tout bon. À fait, Métis, on va faire un strip. Alors, le numéro de TTH. Au pire, on peut faire un triple Monopoly. Alors, par contre, alors Yemetis, soyons sérieux, 2 minutes. Si tu veux faire soit un strip poker ou un strip éventuellement de. Un strip échec, tu vois, ne choisis aucun des deux, parce que je suis très fort. On va faire un strip d'un malheur. Tu risquerais de finir à poil bien avant moi. Donc si tu veux avoir des chances, ouais, le strip Scrabble, ça pourrait être bien. Cherche le numéro de TTH. On peut faire un strip. Ah, je l'ai. Voilà, voilà. Alors, rouquin. Strip Monopoly. Allô, TTH ? Ouais, c'est moi, c'est Mélanie. Je le mets... Ah mais non, t'es plus connecté, toi, ce côté sur Discord. Mais non, mais vas-y, envoie-le à Natsu. Not. Au pire, tu le mets dans le général. Hein. Non, on va éviter quand même. Je sais jouer à aucun des deux. Ah, là, je sais pas jouer. Ah, non, j'ai Mekai qui chante encore. Voilà. Ok. C'est quoi qui chante, Makia? De quoi? C'est Mekai de Shin qui chante. Je sais pas si vous entendez le... Oui. Ouais. C'est heureux. Ok. 54, 35, 93. Eh, mais vas-y, répétez le plus fort, putain. Ok, si tu veux. Non, non. Alors, zéro. Bah, vas-y, on a tout. Ah, là, bon, allez. Continuons. Non, mais t'es sérieux? Ah non, ce non-respect, c'est jouer à aucun des deux, je serais pas drôle. Oui? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, ça va? C'est qui? C'est bien Théo au téléphone? Oui. Tu te souviens pas de moi? Ah non. Oh non. Mais c'est le numéro privé, donc dites-moi c'est qui. Ah mais je ne sais pas qui je suis. Peut-être. Certainement un troll, okay. Mais un troll qui veut te péter la gueule. Ok, bah, plus alors. Ouais. Vous êtes bon, fou. Voilà. Voilà, voilà. Rappelez, oh, hein. Non. Bâtard. Il est pire que sur. Il est pas mal, ouais. Niveau puterie, je confirme. Un troll qui veut te péter la gueule. Mais je sais pas qui je suis. C'est pas cool de l'emmerder. C'est pas cool de l'emmerder. Ouais, là j'avoue que c'était un peu chaud. Recharge moyenne, j'en ai rien à foutre. Stase, est-ce que j'utilise ma stase? Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Il t'a bloqué. 54, 35, 85. Oui, il a coupé son portable. Oh, ça a sonné.
Non, il t'a bloqué, tout simplement. Ouais. Non, 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 il a simplement... Il a envoyé sur le directement. Ou alors il t'a bloqué. Il peut, s'il te bloque, généralement, il t'envoie directement sur sa messagerie. Merde, je suis de la merde, moi. Attends, on va voir si ça sonne. Ouais, ça sonne. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Il va pleurer. Monsieur, il y a peur. Pam 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 pam. Je suis niveau fils de puterie, je crois que je suis au sommet là. Voilà, tu je suis au sommet. Tape bien, tape bien. Ah mais j'ai encore acheté des points. Est-ce que c'est bien d'acheter des points de force? Yep. Putain, je sais pas, normalement il aurait dû me reconnaître à la voix. Moi, bon, sa voix confirme même sur son téléphone portable. On voit que c'est un kikou même sur son numéro. C'est un kikou sur Discord. Hein. En fait, c'est un kikou de partout. Quoi. C'est un kikou partout, voilà. Alors, dis-moi, Yemeti. Même là coup... où tu voulais aller, Maca. Dis-moi, Yemeti, qu'est-ce qui te ferait plaisir de faire? Comme à partir de strip, le strip Monopoly, le strip Dame, le strip. Voilà, il y a plein de sociétés finalement. Fais gaffe, hein, si tu passes sur une de nos maisons, on doit te déglinguer. J'avoue. C'est pas bien. J'avoue. Ah, oh, Sam. Attends. Tu peux pas les casser ça? T'es sérieux? L'autre il pouvait les casser, moi je peux pas. Allez, pas de soucis. J'ai fait une petite amélioration. Alors. Ah! D'accord, ok. Où t'en... Non, non. Ah! Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je suis passé là il y a deux secondes! Mais... C'est pas bien de me faire peur. On t'entend. Et toi, t'as coupé. J'ai coupé, oh. C'était quoi ce bruit? Merde, mec. Oh, putain. On voulait que tu participes plus aux conversations. Ah, si tu veux. Voilà. Que tu nous donnes tes avis, que tu nous donnes. Voilà, plein de petits trucs. Parce que c'est vrai que tu es souvent absente. Non, non, je suis là. D'accord. Je vais enregistrer tout à l'heure. Ah! D'accord, on va reprendre le métro. Métro, boulot, dodo. Enfin, le tram. Je sais pas si c'est un métro ou un tram, je sais pas ce que c'est que ce truc. Moi, c'est plus un tram, je crois. Moi, tiens, c'est boulot dans le bas du dos. Tram, ouais. Voilà. Oh. Salope. Épisode 4, impact imminent terminé. Oh. Et là, on entend Maca dire oh oui, je veux sentir ton gros impact. Ah. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que c'est propre ou est-ce que c'est sale? Ah, c'est sale. Ça fait rien, il y a un petit coup de lavement et puis voilà. Non, mais là, c'est très sale même. Ah! Bah, ce sera un gros lavement. Putain. Et puis voilà. Qui vient de faire, mais. Ça se répand plus vite que ce que j'avais prévu. Ah bah oui, non mais non, chacun atteint un petit peu son niveau maximum. On doit éjecter ce truc. Là, c'est un petit peu le bouffage de gueule de TPH, moi c'est un peu la dissidence et Marca, c'est... Ah putain. C'est tout en même temps. Hein. Ouais. Elle m'a fait tellement peur, l'autre connasse. Et Wendy, c'est la kawitude. Attends, ça je peux le prendre. Kawaitude niveau maximum. Ah. Attaque lampe torche. Ok. Pardon. Attaque lampe torche dans son cul. D'accord. Attaque lampe torche. Allô, Maca, calme-toi. J'ai jamais vu cette attaque dans Dead Space. Attaque lampe torche. Non mais ça tombe pas mal, non? Et attaque lampe torche. En plus, elle est éteinte. Elle est cassée. Mais non, elle est allumée. Regarde. Hop, attaque la torche.
Allez, continue. Ouais, ouais. Evacuate this arena immediately. What the fuck? Oh! Ah! Ah! Ah putain! What the fuck? Je crois qu'on va lui offrir des congés quand même. Des congés de stream. C'est qui parle? Non, faut c'est pas. C'est qui parle? Maka, si on te pète tes deux jambes, tu crois que tu seras en congé ou pas? Le bâtard! Je considérais que quelqu'un a tout verrouillé sur ce point. Tout récemment même. On doit pas être seul à voir. Il monte sur un escabeau et on le casse. Ne veut pas qu'on accède à ce secteur. Et ça, par contre, il faut que ça tombe. Hein. Ça, il faut que ça tombe. Tombe! Tombe! Voilà. Parce que toi, tu m'as fait peur. Ah putain. C'est tout ce qu'il y a ici? Vous êtes sérieux? C'est pas cool. Pas cool en plein dans les boules. Ah oh là là, Maka, je suis tellement, tellement Maka, impatient. T'es quand même plus fort sur Ashazada. Je te merde. Bâtard. Je suis dans la bouche. Maka, tu sais quoi? Je te fais un don de 50 euros si tu fais Silent Hill 2. Silent Hill 1, 2, vous voulez faire que je fasse quelle merde? Le 2. Parce que le 1, en fait, l'avantage c'est que. C'est que quoi là? Bah tu joues pas le même personnage, c'est pas encore la même histoire. C'est pas une histoire parallèle comme le 4 et le 5. Donc c'est ça qui est bien. Donc joue au 2 avec Pyramid Head. Je te donne 50 euros là maintenant tout de suite si tu joues. Putain. Mais déjà faudrait finir Dead Space hein. Ah ouais, finis-le, prends ton temps mon grand. Oh putain, non, c'est tellement noir. Je veux pas y aller. C'est tellement noir. Quand tu vas jouer à Silent Hill, là, c'est même plus des couches qui va te falloir. C'est carrément un énorme pot. Mettre. Maka, pensez à nos oreilles. Il m'a fait peur, j'ai pas le noir. En plus, c'est ça qui apparaît dans le noir, mais t'es sérieux? Putain! Scotty, il est en PLS de rire. Oh putain, mais ce truc qui m'a fait peur, quoi, merde! Maka, ferme ta gueule! Putain, le 2, les musiques sont tellement bien chic. Non mais là, ce serait bien qu'il y ait le courant quand même. Le Street Monopoly, d'accord, Yemetis, on va faire ça un petit peu. Oh. Allez, pas surnommé. Attention. Ah putain! Putain, non, j'aime pas ça, bordel! il va falloir que je me refasse donc. Vidéo et je vais faire un montage, c'est pas possible. Je crois que tout à l'heure on va devoir me faire un massage. C'est plutôt à moi qu'il faudra faire un massage. Non, toi on te laisse par terre, c'est bon, t'inquiète. Fils de chienne. Ah non, putain, deux fois d'affilée quoi. Ah, t'as crié vraiment qu'il y a une pucelle là. Hein. Pucelle là, c'est... Mais j'aime pas le noir dans les jeux vidéo, c'est horrible. Bah, c'est le but quand même d'un jeu d'horreur. Quoi. Non. Maka, t'as l'air un tout petit peu trop blanc là. Non mais tu vois où je suis aussi dans le jeu? Putain. Non, c'est juste du noir autour de toi, t'as de la lumière. C'est non carré, c'est de la lumière tamisée, c'est pas la lumière. Je voudrais juste te demander confirmation d'un truc, Maka. Quoi? As-tu véritablement joué à Slender? Oui. T'es sûr de pas m'avoir menti? Non, pourquoi? Non, parce que il fait noir dans Slender. Oui, mais là c'est l'ambiance et tout qui va avec, tu vois. Non, mais bah les couilles, frère. Non, t'as joué à Slender. J'ai joué à Slender, oui, mais j'ai fait des vidéos aussi dessus. Hein. En fait, c'était Slender sur Garry's Mod. Ah, c'est quoi ce bruit? Non, j'ai fait les vrais Slender aussi. On sait pas ça. Ah putain, les bruits. Si ça se trouve, en fait, c'est une copie de Maka. En fait, c'est son copain qui est venu avec un masque de Maka. Et du coup, il a fait le stream à sa place. Non. Et en fait, son copain, lui.
Balls. Genre, vas-y, les jeux d'horreur, c'est pas ça qui me fait peur, t'as vu. Et en fait, on s'en est pas rendu compte comme ça, et il a fait les Slenders. Oh, encore ce genre de salle. Oh non. Mais c'est tout noir. Ah, ah. Putain, il m'a fait peur ce con. Ah, putain. Les highlights que je vais faire, ça va être goldé. Dis-moi qu'il y a rien qui va sauter là. Dis-moi qu'il y a rien qui va sauter. Saute, saute, saute. Même sur Dora, il y a peur, je sais pas. Ça, j'aime pas ça déjà. Allez, hop, casse-toi. Attends. As-tu peur des chats, Maca? Non, j'adore les chats. C'est vrai? Ouais. Snow, attaque-lui les testicules. Attaque voilà, combo griffe. C'est quand qu'on fait le anal blougué? Ah, anal blougué. Voilà. Ah, quelque part, c'est un peu de bien. Ok, il y a une table de bench, même je peux rien faire avec. Ah, ah, je décompresse. Ouverture, on met Maca en train d'enculer TTH. Ah, non. Bon, attends, je vais réessayer pour voir si. Attendons-nous au pire. Est-ce que je devrais prendre ça là? Ça a l'air pas mal ça. Ce truc rouge. Bon, t'es classé quoi, League of Legends? Mais non, je sais pas, absolument super bien. Oh putain, c'est quoi ce truc? Ah! Ah, t'es super bien. Moi je ne sais pas, tu devrais savoir. Tu devrais savoir. J'ai envie de te péter la gueule, mon pote. Oh putain. Hein? Ah bah je peux trop se devoir. Allô, allô. Ça va pisser dessus. Y'a quelqu'un? What the fuck, où ça? Ah, il est juste ignoble. Le mec. Bon, Maca, oui. TTH, il est Silver 4. Oh, mais je m'en bats les couilles. Prends les couilles, frère. Toi, c'est tellement ça. T'es combien, toi? Il va pas m'attaquer, hein. Il est mort, hein. On est mort. Ah, putain. Putain, Maca, il va voir un mec décomposé, il va quand même lui tirer dessus pour ça, parce qu'il est mort. Ouais, il va un peu trop vite, lui, non? Ah! Attends, toi! T'es mort. Non, mais t'es mort. Attends, si j'y vais à la vite. Non, je vais me le prendre. Faut que je le cède. Vite. Oh, holy shit. Alors attends. Oh, quelle puissance. Maca, il commence à s'en sortir un petit peu. C'est plus très marrant là. À s'en sortir. Attends, je crois que plus le jeu va avancer, plus ça va être la galère. Mais il faut que je me soigne moi, ce serait pas mal de temps en temps aussi. Oh! Ouais, c'est une idée. Pourquoi t'es mort, toi? Comme une autre après. Pourquoi t'es mort? Dis-moi, dis pourquoi t'es mort. Bon, bah, t'es mort. Alors, je sais pas s'il va te répondre. Non. Bah, écoute. Laboratoire chimie. Voilà, Macaria sur son live, demande à un mort: pourquoi t'es mort? Bravo! Ça a toujours été comme ça avec moi, vous savez que je parle à n'importe quoi et à n'importe qui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je te jure, je vois ma carrière dans la nature à poil, je fais le mort. dis, pourquoi t'es mort, dis. Je peux faire ce que je veux de toi. Ah, là, ça sera plus trop dur. Ah, non, mais il fait carrément dans la... Enfin, non, j'allais dire dans la nécrophilie. Putain.
Le mec, quand même, il est gay, nécrophile. Et pédophile aussi. Ah bon? Bah, il est plus jeune que moi. Ah, c'est vrai, oui. Et TTH, alors, il est quoi? Oh, bah, lui, il est hors classé, lui. Ah, le bâtard! Il est hors classé. Salope. Il y a des belles vocalises, hein. Allez, Maca, répète. Palmireto. Putain, mais what the fuck, qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Attends, ils vont pas bouger, on est d'accord. Hein. Cette scène, je me souviens. Non, moi je m'en souviens pas. Alors, s'il te plaît, me dis pas qu'ils vont sortir. Alors. Non, ne dis pas qu'ils vont sortir. Alors, je vais rien te dire. Je te demande juste de réfléchir à une chose. Penses-tu qu'une salle avec deux monstres, un point de force, des munitions, de la vie, c'est ce que je me suis dit, et quelque chose à faire juste droit devant, merde, est-ce que selon toi c'est charmant comme salle? Non, je me doute que ce truc va désactiver leur barrière. Voilà. Ce serait pas amusant. Mais ne t'inquiète pas, y a pas que ça. Y a pas que ça. Non, y a autre chose encore. Allez, va niquer ta race, hein. Parce que celui de gauche, quand tu les regardes, celui de gauche. Ouais, il a l'air un peu shooté. Il a l'air un peu shooté, mais il sent pas les couilles, tu vois. Deux, trois cutters plasma dans la gueule et on n'en parle plus. Par contre, celui de droite. Ouais, il a l'air un peu plus violent. Et il me regarde. Non, il me regarde pas. Tu vas t'en prendre plein dans le cul. C'est un violent immortel. Non. Il est extrêmement rapide. Ah putain, non, il va falloir que je cours. Si tu veux t'échapper, il faudra courir et le staser. Ah non. Et ouais, à la fin seulement, il faudra le cryogéniser. Ah non. Tu peux pas réussir ton truc. Et après. Et tire la langue. Et ce qui est encore plus marrant après, c'est que tu auras une deuxième phase avec lui. Ah, t'es sérieux? La phase du lit, mec. La phase du lit. Et... Bon, alors j'ai activé le truc. C'est quand il aura... C'est quand il... Retirer la capsule et ça va être la merde. Et en fait, ça va accélérer... Et il va suivre partout, Maca. Partout. Et on va l'entendre crier. Crier. Oui, ma chérie. Et ça va faire de beaux oreilles. Oui. Non. Ah, pitié. Bah, si, c'est mieux pour les highlights, quelque part. Pour une fois qu'il y avait un mec normal, c'est un connard. Ah là là. Et ouais. Donc Mandy, si tu as peur, je suis là, tu peux te réfugier. Non mais garde ton cadeau, oui. ne nous vends pas ton cadeau. Alors c'est lequel qui va. Ah, oh, putain. Non mais laissez. Non. Merde, j'ai fait de la merde. Maca t'as fait de la merde. Maca. Oh les shit. Ok, reste à terre s'il te plaît. Ok. Maintenant je fais où? D'accord. Le mec il se ressort, on est d'accord. Merde, Maca te fait de la merde. Et je fais comment pour sortir? Et c'est fermé. Tu dois le ralentir. Voilà. Il a pas encore assez de force pour se régénérer. Mais il se régénérera quand même. Jusqu'à ce que ta pote, elle pirate l'entrée. Ah mais putain, elle est tétan la salope. Vite, VH. Je sais pas si c'est par là. Oui, c'est par là. Non, il y a des bébés. J'ai pas le temps pour vous les bébés. Vous les avez aimés. Je suis pas votre père. Non, pas le noir. L'avantage de deux pères PD, c'est qu'il saura jamais qui est la tante. Ok. Oh putain.